regarde, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Zoulou, peut-être. Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec ce Zoulou. Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. On vous accueille avec plaisir ce soir avec Grégory parce qu'il y a une actualité cycliste assez dense. Salut Greg. Salut Charles, salut à tous. Alors Greg, on a eu pas mal de courses cette semaine. On va commencer par le Tour d'Algarve qui s'est terminé il y a quelques minutes à peine, puisque si je ne me trompe pas, l'arrivée était vers 18h30, sans parler tout de suite de l'étape du jour, Greg, mais plus pour revenir un peu sur le scénario de la semaine, est-ce que je me trompe si je dis que vraiment Remco Evenepoel a dominé la course de la tête et des épaules? Mais en tout cas, Evenepoel a bien écrasé le contre-la-montre assez long, il faut dire, pour une course de moins d'une semaine, de plus de 32 km le chrono. Il a vraiment écrasé ce contre-la-montre et collé quasiment une minute à son plus proche adversaire qui n'était pas forcément un adversaire pour le général final. Et ouais, les écarts ont été très importants. Alors maintenant, Evenepoel n'a gagné aucune des étapes, des arrivées plus ou moins au sommet, on va dire, de la course. Mais vu qu'il a très très bien géré et qu'il a très bien limité la casse, au final, les écarts qu'il a mis au contre-la-montre sont plus ou moins ceux qui sont là au général final, voire même des écarts encore plus grands pour certains qui n'ont pas tenu dans les montées. Donc oui, c'est une bonne semaine pour Evenepoel qui a bien marqué cette course. Est-ce qu'il s'est rassuré un peu pour toi, Remco Evenepoel, Greg, dans le sens où ça avait été un peu compliqué en Espagne, à Valence, il y a quelques semaines? Mais là, vraiment, il n'a pas été en difficulté parce qu'on a vu la course aujourd'hui. Il a perdu quelques secondes, mais on sentait bien que l'objectif n'était de toute façon pas la victoire d'étape, parce qu'on le sait, moins explosif que des garçons comme Higuita, Godu, etc. Et finalement, lors de la première étape compliquée à l'Alto de Foya, il était dans le groupe pour la gagne, même si forcément c'est pas un puncher, donc il a pas joué la gagne. Oui, c'est clair que Evenepoel, à chaque fois qu'il y aura une étape difficile avec une arrivée un peu au sommet ou arrivée pour puncher, il sera souvent limité dans l'emballage final et lâchera peut-être l'une ou l'autre seconde ou une petite cassure, quoi. Mais là, il a été excellent dans son registre, qui était celui du chrono difficile avec une bonne bosse en plein milieu. Et il a su envoyer les watts et mettre tout le monde très loin derrière et être présent en fait sur les étapes difficiles sans être dominateur pour autant. Il a suivi un peu le mouvement et il a été capable de ne pas se faire lâcher ou de prendre vraiment un écart vraiment minime. Ouais, alors j'en profite parce que je vois qu'il y a G8 Vélo, Stradri, Stereo et Cofidis qui viennent de nous rejoindre sur le chat. Salut les gars, bonsoir à vous. Ça me fait penser, tiens d'ailleurs, à tous nos supporters de la FDJ. Ils sont nombreux sur le forum et sur le site à supporter l'équipe. Et Greg, j'imagine que ça t'a fait plaisir aussi de voir cette belle victoire de David Godu en puncher, vraiment sur l'explosivité, sur les pentes de l'Alto des Foya. Et salut à Ben aussi, qui nous rejoint aussi sur le chat, et à Bal du Sieur. Ouais, tout à fait. David Godu, c'était sa rentrée, tout simplement. Donc, on pouvait se demander dans quel état de forme il pouvait être. Et il a vraiment répondu présent. Donc, une belle victoire sur l'Alto di Foya en deuxième étape. Et il a porté le maillot de leader par la suite et il a fait un chrono. Il a terminé à 2 minutes d'Evenepoel, mais pour ses performances habituelles en chrono, c'est vraiment un très bon temps qu'il a réalisé, 9e de l'étape, et il a finalement bien limité par rapport à bon nombre de ses adversaires. Maintenant, forcément, il a perdu des places ce jour-là au classement général, mais bon chrono et belle attitude en fait cette semaine pour sa course de rentrée. Je pense que c'est assez encourageant pour la suite de la saison pour Godu.
Mais justement, tu parlais du contre-la-montre, Greg, et est-ce que c'est pas ça le plus encourageant pour la suite de sa carrière et de la saison, de voir que finalement il est capable de signer un top 10 sur un chrono, ce qu'on ne soupçonnait peut-être pas avant cette course, et dans l'optique des grands tours hein, notamment, et de cet objectif de podium qui a été annoncé par Groupama FDJ, est-ce que c'est pas ça, ouais, comme je le disais, le plus encourageant et le meilleur signe, enfin le signe le plus positif entre guillemets? C'est clair que c'est un signe qui est très encourageant et ça montre qu'il a une faculté de limiter les dégâts dans les chronos. On savait pas trop. Enfin, c'est vrai qu'il a pris quelques éclats, on va dire. Enfin, ça a jamais été, il a jamais été vraiment très 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 loin en chrono, mais il prenait quand même des dégâts assez importants, on va dire. Et là, il arrive à faire un top 10. Alors, Evenepoel, c'est vraiment un monstre du contre-la-montre. Le premier poursuivant est à 1 minute sur ce chrono, et c'est pas n'importe qui. C'est Stéphane Kung, quand même, qui est largement reconnu dans la discipline. Et ouais, Godu, 2 minutes, c'est très encourageant. C'est un top 10 sur un chrono. C'est pas mal, et ça montre qu'il pourra viser le général sur les grands tours s'il arrive vraiment à tenir les 3 semaines et bien limiter la casse sur les chronos. En tout cas, il peut avoir des ambitions. Maintenant, d'un autre côté, on sait très bien que les gars qui jouent très bien placés sur les grands tours en ce moment ont des très bonnes facultés de chronomane, on va dire. Ouais, alors d'ailleurs, pour rester sur les Français, Greg, je voulais souligner, avant de te redonner la main, quand même les belles performances de Thibaut Guernalec qui termine 8e en Algarve, mais aussi de Julien Bernard qui a très peu l'occasion de jouer sa carte et qui finit 11e du général. Derrière, on a Tony Galopin 14e et Warren Barguil 15e, donc vraiment une belle performance d'ensemble des coureurs tricolores. Et Greg, tu parlais de leadership. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué et que j'ai observé moi avec attention depuis le début de la course, c'est ce qui se passait au sein de l'équipe Ineos. Parce qu'au départ de la course portugaise, on avait quand même Ezan Ayter, Daniel Martinez, Geraint Thomas et Tom Pidcock. Et finalement, on s'est aperçu que celui qui était le mieux placé, c'était Daniel Martinez. Parce que Ezan Ayter, malgré le chrono, finalement, a été assez décevant aujourd'hui sur l'Alto des Malheureux. Ouais, tout à fait. Chez Ineos, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop à qui donner les rênes, on va dire, sur les courses par étapes avec la blessure récemment d'Egan Bernal. Donc, on a envoyé quand même une très bonne équipe avec plusieurs têtes et finalement, on va dire que chacun a essayé, on va dire, de tirer son épingle du jeu. Alors, Pidcock, apparemment, je pense qu'il n'avait pas du tout coché cette course et qu'il était là plutôt pour y aller cool, on va dire, pour accumuler les kilomètres. Enfin, c'est une sorte d'entraînement, quoi, et pour des échéances futures. Geraint Thomas n'était pas dans le, il n'était pas du tout présent. Mais après, c'est pas une première. Ces dernières saisons, il a souvent eu du mal à remettre en route, on va dire. Maintenant, il est assez vieillissant aussi. Et du coup, entre Dani Martinez et Ayter, c'était chacun son tour plus ou moins, mais quand même, Daniel Martinez a été plus tranchant sur l'étape d'aujourd'hui, et Ayter a été un petit peu décevant, mais même s'il était présent quand même. Mais faudra voir. C'est vrai que c'est compliqué. C'est peut-être que, enfin, il y a peut-être une place, en tout cas, à aller chercher pour jouer les premiers rôles chez Ineos. Et Daniel Martinez, je pense qu'il se verrait bien essayer de remplacer son compatriote Egan Bernal. Maintenant, il faudra vraiment faire ses preuves aussi sur 3 semaines. Ouais, parce que c'est vrai que Stradri nous le dit sur le live, l'Algarve, c'est une course assez particulière, parce que c'est pas trop destiné aux grimpeurs, et encore plus cette année, puisqu'il y avait ce long chrono de 32 km. Et on sait tous aussi que chez Ineos, Egan Bernal, pour cette année, ça va être très compliqué, même si heureusement il y a des bonnes nouvelles qui sont venues de Colombie. Est-ce que pour toi, Daniel Martinez, il a vraiment et rapidement déjà marqué des points? Ou est-ce que avant Paris-Nice, avant Tirreno, la Catalogne, le Pays Basque, etc., on ne peut pas trop tirer de plan sur la comète et chez Ineos, on jugera vraiment sur des épreuves avec un plateau un peu plus relevé? Pour le leadership des grands tours, hein, j'entends. Pour le leadership des grands tours, je pense que chez Ineos, on n'est
pas mal embêté puisque on a pas mal de cartes sans savoir laquelle pourrait être la bonne. On a Adam Yates qui est pas mal, mais on sait pas trop s'il peut aller quand même faire essayer de gagner un grand tour tout simplement. On a des gars qui sont pas mal. On a Thomas, on sait pas trop s'il va réussir à retrouver le niveau qui était le sien il y a quelques saisons, mais qui est pourtant très complet de ce côté. Et enfin, Daniel Martinez a fait un très bon tour d'Italie l'année dernière comme lieutenant de Bernal. Après, être leader d'une équipe sur un grand tour, c'est pas forcément la même chose que d'être le meilleur lieutenant. Et certains ont sombré sous la pression. Donc c'est assez compliqué pour eux. Je pense qu'ils vont avoir une équipe vraiment très forte, mais pas forcément avec les bonnes cartes pour jouer la gagne. Enfin, je pense aussi que ce sera à eux d'essayer de dynamiter la course sur certains grands tours pour essayer de renverser un peu le mouvement, enfin la tendance établie, on va dire. Tout à fait. Alors pour finir sur ce Tour d'Algarve, quand même, je vais toucher un petit mot sur Fabio Jakobsen, hein, stratosphérique qui a remporté les deux étapes au sprint. Je sais pas ce que tu en penses, Greg, mais il s'annonce quand même comme le grand sprinteur des années à venir. Bah là, Fabio Jakobsen, deux sprints, deux victoires, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était le meilleur, bien emmené, bien sprinté. Donc là, c'est carton plein pour lui. Et enfin, sur ce début de saison, pour l'instant, il est quand même assez intraitable. Tout à fait. Alors on va passer à la deuxième course de la semaine, puisqu'on vous l'a dit, le programme est assez chargé ce soir. Alors on va passer à l'Espagne, pas très loin du Portugal, et le Tour d'Andalousie. Surprise, Greg, parce que c'est Wout Poels qui renaît un peu de ses cendres et qui a remporté de main de maître, hein, parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit en difficulté aujourd'hui, et finalement ça n'a pas été le cas. Il a vraiment lui aussi dominé de la tête et des épaules ce Tour d'Andalousie. Wout Poels, oui, bah effectivement, c'était pas du tout le coureur auquel je m'attendais personnellement pour remporter cette course, mais enfin après tant mieux pour lui, il renaît de ses cendres effectivement comme tu dis, et déjà belle victoire sur l'étape d'hier en réglant Lutsenko avec une stratégie assez étonnante d'Astana au On passage. a eu un tweet de Miguel Angel Lopez encore savoureux. Mais ouais, bah du coup, victoire d'étape pour Poels et maillot de leader. Aujourd'hui, il fait mieux que résister. Il a eu il avait encore un très bon niveau. Et il s'adjuge ce classement général de très belle manière devant Christian Rodriguez pour Total Energy. Ça, c'est une très bonne prestation aussi de la part de l'Espagnol. Et Miguel Angel Lopez qui échoue à la troisième place alors qu'il aurait peut-être pu prétendre finalement remporter cette course. Ouais, Christian, c'était pas forcément le Rodriguez qu'on attendait. On attendait plus Carlos, même si il a été bon, hein, parce qu'il a terminé quatrième, mais il montre peut-être encore certaines limites. Enfin, ça montre aussi qu'il est jeune et qu'il lui faudra du temps, parce que je trouve qu'il a fait preuve un peu d'immaturité. Aujourd'hui, il a attaqué assez vite, il s'est senti très fort, je pense, et il l'a un petit peu payé, mais c'est pas de lui que je voulais parler chez Ineos, parce qu'il y a un garçon que je suis, moi, depuis quelques années, et qu'on avait interviewé quand il était junior première année. C'est Magnus Sheffield, Greg, qui a remporté une étape vraiment en costaud. Il m'a rappelé ce qu'il avait fait chez les juniors, le peu de courses télévisées qu'on avait vues. Et aujourd'hui, il était encore dans le groupe de tête. Il revient bien, hein, même s'il n'a pas joué la gagne. Il termine 17e du classement général. Bon, sa place au général est anecdotique, mais pour un jeune coureur, il a vraiment montré de très très belles choses sur les routes andalouses. Ouais, tout à fait. Bon, alors pour le classement général, effectivement, tous ceux qui ont été piégés sur l'étape d'hier, forcément, ont reculé. Du coup, ça ne reflète pas tout à fait peut-être le niveau qui aurait pu être le sien. Maintenant, ouais, très très belle victoire d'étape déjà pour commencer. Et aujourd'hui aussi, il a été très fort et enfin surtout il a fini fort puisqu'il était il a été distancé à un moment donné, mais il est très bien revenu sur la fin. Peut-être que s'il y avait eu un ou deux kilomètres supplémentaires, ça aurait pu le faire. Mais ouais, effectivement, gros moteur Sheffield. Il faudra voir comment il va se comporter pour la suite de sa carrière, s'il restera
S'il essaiera de rester dans ce registre de 4-4 super baroudeur bah, qui passe vraiment partout, ou s'il essaiera autre chose, je pense déjà que pour l'instant, en étant chez Ineos, à mon avis, le registre qui est le sien pourrait être le bon, en tout cas pour les années à venir. Donc, faudra voir, vu qu'au niveau des classements généraux, il y a quand même pas mal de personnel chez Ineos. À mon avis, il pourra s'exprimer dans les échappées et sur les terrains difficiles, en tout cas les terrains que ce soit plat, que ce soit avec des bosses, voire même des étapes de moyenne montagne, ou pourquoi pas de haute montagne sur les grands tours. D'ailleurs, Greg, j'aurais pour finir sur ce tour d'Andalousie, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, souligner le bon travail des organisateurs, parce qu'on s'était tous un peu dit que le parcours était un peu décevant. C'est aussi ce que j'avais lu hein, des différents commentaires, et très sincèrement, c'est ce que je pensais également, donc je me suis bien planté. Mais finalement, cette absence de haute montagne sur le tour d'Andalousie, beaucoup de moyenne montagne, des étapes pas si difficiles que ça. Ça a rendu la course vraiment bah, passionnante à suivre, beaucoup de mouvements très tôt dans les étapes, comme on l'a vu, je crois que c'était vendredi quand un gros groupe de leaders s'est détaché assez vite. Est-ce que c'est pas aussi ça un peu l'avenir des courses par étapes, sortir un peu de ces sentiers battus et de ces montées sèches en fin de journée où finalement il ne se passe pas grand-chose? Bah, c'est vrai que sur des profils un peu plus classiques, avec une arrivée au sommet sans trop de difficultés auparavant, ça a tendance à se regarder pas mal et puis accélérer vraiment sur la fin pour se placer pour le pied de l'ascension et monter après au nombre de watts. Donc c'est un scénario un peu classique, un peu répétitif. Et là, c'est vrai que avec des étapes avec plein de côtes qui montent, qui descendent, enfin tout le long, enfin sur le la durée entière de l'étape, et ce sont des courses un peu plus où ça se dynamique pas mal, ou avec pas mal de mouvements, et c'est vrai que c'est intéressant à suivre, et c'est enfin je pense que pas mal d'organisateurs vont finir par mettre plus d'étapes de ce type à l'avenir. En tout cas, c'est peut-être plus intéressant à suivre qu'une étape de montagne un peu trop classique, on va dire. Ouais, il y a une belle piste à creuser, je pense, et ce n'est pas l'épreuve qu'on va aborder maintenant, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var qui va nous contredire, parce que là aussi, il n'y avait pas d'arrivée en altitude, il y avait le Col d'Aise, mais il n'était pas placé en fin d'étape, et que ce soit hier ou aujourd'hui, on a assisté à une belle course de mouvement, j'ai trouvé, et le premier enseignement, Greg, c'est qu'on a retrouvé un grand Nairo Quintana. Alors après, forcément, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives, et on verra quand la concurrence sera un peu plus rude, on va dire, mais vraiment une très très belle perf, enfin deux belles étapes consécutives de Quintana. Ouais, tout à fait. Bon, je vais juste signaler pour commencer la victoire de Caledewan sur la première étape, plus ou moins au sprint, on va dire, et par la suite, bah, doublé pour l'Auto-Soudal finalement avec la victoire de Tim Wellens hier, mais grand Nairo Quintana, oui, qui avait déjà dynamité la course hier, même s'il a été repris par la suite. Et aujourd'hui, il a fait vraiment un très gros numéro dans le final de l'étape. Il a attaqué vraiment de bonne heure dans l'avant-dernière ascension. Et ouais, il a creusé de bons écarts, en fait, plus ou moins, dès qu'il a attaqué, il a fini par creuser l'écart quasiment tout le long jusque dans le final. Et les écarts ont été assez importants. Et effectivement, Nairo Quintana. On pouvait se demander un peu quel serait son niveau, en fait, après sa première victoire, s'il allait continuer sur cette lancée ou si ça allait se tasser. Il a l'air d'être pas mal parti pour l'instant. Maintenant, à voir sur les échéances World Tour, forcément, mais en tout cas, il a bien remporté cette épreuve et bien fait passer un message comme quoi il était pas mal en ce moment. Ouais, alors tu parlais de Caledewan tout à l'heure, je vois que ça fait réagir sur le chat, et notamment G8 Vélo qui nous dit qu'il est déjà prêt pour la côte du mondial en Australie. En effet, on a vu que Caledewan voulait faire des efforts hein, et qu'il ne se laissait pas décramponner dès le début des étapes et ne se contentait pas de faire gentiment groupé tôt. Moi, je pense aussi à Milan Sanremo. Greg, on sent que Caledewan, il va être prêt pour les grandes échéances.
Bah ouais, les Ewan, je pense que Milan-San Remo, ça doit être un gros objectif, à mon avis. Il en était passé pas très loin l'année dernière et je pense qu'il aura à cœur d'essayer de remporter cette épreuve. Il avait été assez impressionnant enfin, on l'attendait pas du tout, en fait, dans la dernière ascension de Milan-San Remo. Il avait vraiment répondu présent. Je pense que cette année, il essaiera de remporter la course et je pense aussi qu'il essaiera de briller sur les grands tours et d'être prêt pour les championnats du monde, ce qui, bah, ça va pas être simple du tout vu le profil, mais je pense qu'il va quand même essayer d'y briller quand même à domicile. Ça va être un gros objectif. Ouais, alors avant de poursuivre, je remercie ceux qui nous suivent sur la chaîne, parce que je vois que Cuba Costa et Nicky Larson viennent de nous donner un follow. Donc grand merci à vous et n'hésitez pas à en faire de même si ce n'est pas déjà le cas. Alors aparté terminé, on continue sur la course. Il y a des éléments que j'ai notés. Et ben, on va parler un peu de Thibaut Pinot, Greg. Ça a été compliqué samedi. Vendredi, je ne l'ai pas trouvé tip-top non plus, mais par contre, aujourd'hui, c'était déjà un petit peu mieux. Même si ce n'était pas sensationnel, on a retrouvé un Thibaut Pinot offensif et franchement, ça faisait plaisir. Ouais, tout à fait. Il a eu un très bon comportement en fait aujourd'hui. Il a vraiment été, il a été à l'offensive. Il s'est même retrouvé à un moment donné tout seul en tête de la course, essayer d'être en lutte pour la victoire d'étape. Bon, malheureusement, il a été repris puis distancé par Nairo Quintana, mais au moins il a animé toute l'étape. Il a été présent jusqu'à l'arrivée. C'est, je pense, bon signe pour la suite. Faut avoir un peu. Si ce regain de forme se poursuit sur les prochaines échéances, mais je pense que c'est assez encourageant. C'est vrai qu'hier, c'était pas forcément extraordinaire, malgré le fait qu'il ait voulu faire pas mal d'efforts aussi et qu'il a roulé en tête de peloton à un moment donné. On l'a vu faire des efforts dans ce sens, mais ouais, la forme a l'air de revenir. Mais toujours. Enfin, je trouve, personnellement, en le regardant, je trouve toujours qu'il a encore un petit coup de pédale où il manque quelques watts, on va dire, à chaque fois. Mais enfin, ça a l'air de revenir quand même progressivement. Donc, on va attendre et ça peut être un bon signe pour la suite. En tout cas, il a l'air d'être dans la bonne direction. Alors, je vois Ben qui nous pose une question sur Quintana. Il sera où après Paris-Nice? Ben, je ne sais pas. Arkéa, l'embarras du choix, hein, parce qu'ils sont invités sur toutes les épreuves. On peut imaginer qu'il y aura un tour de Catalogne au programme. Enfin, ce serait étonnant de ne pas le voir au départ. Il ne sera pas au Giron, en tout cas, parce que Arkéa a décidé qu'il ne serait pas au départ du Tour d'Italie. Donc, ouais, à suivre avec attention pour le programme du Bah, printemps. Hein. théoriquement, pour l'instant, il n'a pas grand-chose de marqué à son programme. Il ferait apparemment Paris-Nice et la Catalogne, et derrière, il n'y a rien avant le tour. Donc, c'est un programme complètement à définir, j'ai l'impression. Ouais, on peut imaginer peut-être un tour des Asturies ou des épreuves comme ça. On sait que Quintana aime bien ce genre de course, donc pourquoi pas à suivre un. Ah, de ses perfs. Ah oui, pardon, Ben, tu parles de ses perfs. Oui, on verra s'il disparaît après le mois de mars ou pas. Ça sera Bah déjà, je pense que Paris-Nice sera déjà un grand rendez-vous. S'il fait Paris-Nice et la Catalogne, ce seront déjà des deux grands rendez-vous au niveau du World Tour. On pourra le situer à ce moment-là et on verra si en fait le Quintana qu'on a maintenant, c'est le Quintana qui est vraiment au top et s'il décline au fur et à mesure, ou alors s'il peut continuer à monter en régime parce que ses adversaires, eux, je pense, enfin, ses adversaires actuels, je pense qu'ils vont monter en régime et les Pogacar et compagnie qu'on n'a pas encore vus sont normalement à un niveau bien supérieur à celui qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, ça va être, il faudra voir ça avec attention. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on est très objectif et très concret, il lâche Tim Wellens et Guillaume Martin, ce qui ne sont pas des candidats au podium ou au top 5 sur un Tour de France. Et d'ailleurs, ça me permet d'évoquer Guillaume Martin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Guillaume Martin. C'est vrai qu'il a un style assez aérien et qui est assez beau sur le vélo, je trouve, pour être tout à fait honnête. Hier, j'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Apparemment, il s'est trompé de route et il s'est fait exploser le caisson en voulant suivre Nairo Quintana. Je sais pas ce que t'en as pensé, Greg, mais dès que je l'ai vu qu'il commençait à accélérer et à réagir à tous les changements de rythme de Quintana, je me suis dit c'est terminé et ça a pas manqué. Notre philosophe préféré là, a oublié de rebrancher
le cerveau, je plaisante, hein, bien entendu. Et bah, il fait quand même une belle course, qui termine troisième du général. Il était un petit peu mieux aujourd'hui, même si on a vu qu'il n'était toujours pas capable quand même de suivre un Nairo Quintana. Ouais, tout à fait. Il a fait malgré tout, il fait une belle course avec une troisième place au classement général final, une deuxième place aujourd'hui. C'est vrai qu'hier, ça pouvait paraître étonnant. Mais moi, personnellement, quand il a essayé de suivre Quintana, je me suis dit, ça y est, il est très très fort. Il va réussir à tenir sa roue. Mais en fait, oui, effectivement, il a fini par péter et par bien regretter, je pense, le fait d'avoir essayé de suivre. C'est vrai que Quintana, avec tous ces changements de rythme, ça peut pas mal déboussoler les adversaires et les faire exploser. Il a avoué lui-même en fait qu'il avait mal couru hier et qu'il avait mieux couru aujourd'hui, même si les jambes étaient bonnes, mais pas forcément extraordinaires non plus. Donc, pour lui aussi, je pense que c'est une montée en régime progressive et qu'il sera encore plus présent sur les prochaines courses. D'ailleurs, le concernant, je pense qu'il va avoir un calendrier relativement chargé jusqu'au Tour de France. Ouais, tiens, je vois J'ai eu de vélo qui nous parle d'Aurélien Paré-Peintre, et c'est vrai que je l'ai noté lors d'une émission précédente, je ne sais plus laquelle, mais ouais, Paré-Peintre, un petit peu décevant, je trouve. Il n'est pas complètement à la rue, hein, c'est pas du tout le propos, mais là, pour sa deuxième course consécutive par étape, il est un peu en retrait, là, 11e, derrière des jeunes Yates, Chaud ou Krohn. Vu le plateau, est-ce que t'es pas un peu déçu, Greg, des performances du jeune coureur français qui avait vraiment montré de très très belles choses l'an passé? Alors, je suis pas tout à fait déçu, on va dire. Je trouve qu'il est il est un petit peu en retrait. D'un autre côté, il est tombé à la Marseillaise. Je crois qu'il est encore tombé d'ailleurs sur le Var. Et bah, il est bien présent, mais pas non plus complètement à l'avant de la course. Donc c'est pas encore alarmant. Je pense qu'il a le temps encore de se refaire un petit peu. Maintenant, c'est vrai que Paré-Peintre, je ne sais pas trop comment je sais pas trop comment le classer en fait comme coureur, si c'est vraiment un coureur de course par étape ou de classique, enfin de course d'un jour difficile, on va dire. Donc c'est à voir. Il est bien présent maintenant, enfin, maintenant de là aller gagner et faire des top 5. Il n'est pas encore tout à fait prêt, on va dire, en ce début de saison. Je trouve pas que ce soit alarmant vraiment, mais ben, il a un petit retard en fait par rapport à l'année dernière. Je pense que c'est certainement dû à sa chute de tout début de saison et que ça devrait se remettre progressivement. Ouais, alors tiens, j'ai parlé d'un autre Français qui a fini deux places derrière lui, et ça fera forcément plaisir à notre ami Fabio, qui est très présent et très actif sur le forum. Franck Bonamour, qui revient de blessure, qui avait chuté à la Marseillaise, 13e de la course. Je pense, Greg, que ça va faire un bien fou à l'équipe BNB Hotel, son retour, parce qu'on sait que c'est assez compliqué pour eux depuis le début de saison. Et bah, le retour de leur Bonamour, hein, qui est leur leader, pour le dire clairement, je pense que ça va leur faire, comme je le disais, beaucoup de bien pour les prochaines échéances. Pardon. Ouais, tout à fait. Bah, il est tombé d'entrée de jeu et on pouvait s'inquiéter un petit peu pour lui. Et finalement, il semble bien récupéré et arrive déjà à être présent au classement général d'une course par étape de 3 jours, certes, mais avec un bon plateau, enfin un plateau très correct en tout cas pour la formation BNB Hotel. Mais ouais, clairement, on pouvait se demander si Bonamour allait enchaîner comme ça, et confirmer son niveau de l'an passé sur la fin de saison, et s'il pourrait être présent dès le début de saison pour aider sa formation. Et ça a l'air d'être le cas, donc je pense qu'il est bien parti pour continuer un peu comme l'année dernière et bah, clairement être le leader de sa formation, tout simplement. Ouais, alors on parlait de chute à la Marseillaise, une pensée, oui, comme le dit Cofidis 1997 pour Alexis Renard, hein, qui a aussi chuté et qui doit avoir une clavicule classée. On espère avoir des nouvelles rassurantes dans les heures ou dans les jours à venir pour le coureur français de l'équipe Cofidis. Oui, Cofidis, Alexis Renard cette année. Tout à fait. Oui, je crois que j'ai eu peur de dire une bêtise en le disant, je me suis réécouté et je me suis dit, mince, peut-être que tu dis une connerie, mais non, ça va. Ouais, pour finir sur ce tour des Alpes-Maritimes et du Var, Greg,
Bah, il y a un coureur moi, qui m'a fait plaisir, c'est Emmanuel Gebrezhabié. Alors, il était équipier à la base pour Mollema et Mathias Kielmoz, et c'est la deuxième course où il réussit de belles performances. Il termine sixième au général. Alors, ce n'est pas vraiment une hype, hein, dans le sens où on ne l'attend pas, on ne l'espère pas comme Guirmay, vraiment leader sur des grandes courses, mais c'est franchement deux beaux résultats consécutifs pour le coureur érythréen. Ouais, tout à fait. Bah, il a une belle présence en fait dans les arrivées difficiles en ce début de saison, et c'est pas mal. Il est au niveau tout simplement de ses leaders sur les étapes les plus difficiles, que ce soit sur le Tour de la Provence à la Montagne de Lure et hier notamment à la Turbie, il était pas mal du tout. Il a un style assez aérien, on va dire, en fait, en montagne. C'est intéressant à regarder. Maintenant, oui, je ne connais pas du tout son programme, j'ai aucune information dessus, mais c'est très intéressant de voir un coureur comme ça qui peut accompagner longtemps ses leaders et qui peut s'épanouir aussi sur le circuit World Tour. Ouais, à suivre en effet pour la suite de la saison. Alors, il y avait un dernier point que je voulais noter, et je sais que ça fera plaisir à Benjamin, même s'il est pas là ce soir. C'est la belle performance d'ensemble de l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur. On l'avait déjà souligné après le Tour de la Provence. Et là encore, on arrive à mettre un coureur dans le top 20, c'est Andrea Mifsud. Ouais, tout à fait. Ben, Andrea Mifsud qui a réussi à s'accrocher ces 2 derniers jours et à décrocher un top 20 au classement final. C'est une bonne performance pour cette nouvelle équipe continentale tricolore. Et à voir par la suite. En tout cas, il montre un bon comportement, même sur d'autres étapes et sur les fronts précédents. Ils ont été assez intéressants. Ils sont souvent à l'attaque. Ils essayent de peser sur la course. En tout cas, c'est un bon début pour cette équipe continentale qui s'est bien montrée et qui arrive même à placer des gars comme ça au classement général sur des courses de classe 1. C'est un bon bilan pour l'instant. Ouais, Andrea Mifsud, quand même gros gros style. Hein. On vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, et on l'invite d'ailleurs sur une de nos émissions. Ça sera un plaisir de pouvoir échanger avec lui. N'hésitez pas à aller voir c'est son compte Instagram, je crois. Ça envoie quand même du lourd. Bref, après cette petite digression, je vais passer à la suite. On a fini pour les courses qui se sont terminées cette semaine, mais on enchaîne vraiment là cette semaine, ça enchaîne à fond. Deux épreuves ont débuté aujourd'hui. On va mettre la plus grosse de côté parce que je veux vraiment qu'on y consacre un petit peu de temps, parce qu'il y a du lourd là aussi au départ. Mais quand même, c'est une épreuve qui fait plaisir à pas mal de monde. Donc, je voulais qu'on évoque un peu le Tour du Rwanda, qui a débuté par un prologue aujourd'hui, un prologue d'environ 4 km dans les rues de la capitale rwandaise, Kigali. Et Greg, belle performance française, puisque c'est Alexandre Jeunesse qui a gagné. Ouais, tout à fait. Une victoire pour Total Energy avait pour Alexandre Geniez qui revient à un niveau intéressant en ce début de saison et un prologue disputé dans des conditions assez dantesques sous un Ouais, la pluie déluge battante. dans les rues de Kigali. Il aurait certainement été bon pour certains de prendre des jet skis ou autre bateau, mais clairement, ouais, c'est une bonne victoire pour Géniez. Ça faisait longtemps, je suppose, qu'il n'avait pas remporté de course tout simplement, et il a enchaîné quand même quelques galères ces derniers temps. Ça serait bien que ça le remette sur les bons rails pour la suite de la saison. Et bonne performance également de Sandy Dujardin dans la même équipe qui a pris la 3e place du prologue derrière. Un habitué de l'épreuve maintenant, Jonathan Restrepo, qui a quand même gagné pas mal d'étapes de ce Tour du Rwanda par le passé. Ouais, qui avait gagné le chrono d'ailleurs Restrepo l'an passé. Et ouais, on parle d'épreuves terminées. C'est vrai que Ben est un grand fan de cyclocross, donc j'en touche un petit mot. C'est la fin de la saison de cyclocross également ce week-end, et j'imagine qu'il va attendre avec impatience le mois de septembre prochain pour la reprise. Restons un petit peu sur ce Tour du Rwanda. Je pense que Géniez a pris une petite option quand même sur le général, parce que ce genre de prologue course, ça joue sur la force physique. Et là, ça ne ment pas. Pierre Roland a fini pas mal. Il est 12e, vous le voyez sur le tableau de First Cycling que je vous passe à l'écran. J'ai vu que Léo Heiter, aussi le petit frère des ânes, était
pas trop mauvais, il a fini 6e. Restrepo va être dur à battre, nous dit G8 Vélo, d'autant plus qu'il y a un gros, gros collectif de la formation de Renault Peur, et Greg nous en touchera un mot après. Petite déception, avant de te redonner la parole, Greg, j'ai vu qu'Alan Boileau avait terminé 28e. Alors après, attention, hein, parce qu'on ne sait pas trop comment ça s'est passé, on n'a pas eu des images pour tout le monde, et les conditions étaient peut-être un petit peu changeantes. J'ai vu qu'Alba aussi avait pris une trentaine de secondes, et Yob finit à 33, et Lagab à 40 parmi les coureurs qu'on pouvait citer pour le général. Et Greg, je te laisse la main pour un petit point d'ensemble du coup sur les favoris de la course et les coureurs à suivre. Ouais, tout à fait. Bah, déjà, pour revenir sur le résultat un peu de certains coureurs, effectivement, vu les conditions météo, je pense que certains ont vraiment pris aucun risque. Et tu remarqueras que j'ai pas fait de mauvais jeu de mots sur Boileau, hein, vu les conditions. Ça aurait pu. Après, effectivement, je pense qu'il y en a pas mal qui ont pris aucun risque et qui se sont contentés juste de disputer le prologue et d'arriver à bon port, si on peut dire. Et ouais, il y a pas mal de coureurs qui peuvent être intéressants à suivre, et notamment, oui, effectivement, le collectif Dronopeur Androni qui intéresse, enfin, qui est pas mal du tout, avec des Daniel Munoz, Didier Merchan, Alba, pour encadrer Restrepo, qui, à mon avis, devrait être le leader de l'équipe, puisque les ascensions au Rwanda ne sont pas excessivement longues, même s'il y a parfois pas mal de pourcentages. Je pense qu'il devrait, à mon avis, être le leader de l'équipe et essayer d'aller chercher le général, malgré le fait qu'il ait échoué l'an passé, suite notamment à une chute bizarre en pleine ascension. Mais ouais, il va y avoir du monde, des Érythréens aussi. On a Enoch Mouloubéran qui a retrouvé une équipe, et c'est tant mieux. Je pense qu'il devrait être pas mal aussi sur cette course. J'ai oublié de citer Tess Fatsion aussi pour la Dronopeur, qui a vraiment un très bon collectif. Et alors, évidemment, il va falloir suivre toutes les équipes qui sont un peu les pro teams Total Energy, forcément, avec Géniez, Ursulin, Dujardin, même s'ils ne sont que 4 au départ, du coup. Et la BNB Hotel, 4 coureurs également. C'est vrai que la course va être quand même très compliquée, à mon avis, à contrôler, malgré le fait qu'on ait des pro teams face à des équipes continentales et à des sélections nationales. Ça va être un sacré spectacle, et ça va être compliqué à contrôler pour tout le monde. Et je pense que c'est ce point-là qui sera le point principal. Ça va être de contrôler la course et de voir qui va s'échapper dans les étapes difficiles. Parce qu'on peut très bien avoir, on pourra très bien avoir des coureurs qui vont s'échapper, qui vont être dangereux au classement général, et pas forcément de personnel pour rouler derrière. Ouais, une course qui va être très sympa à suivre. On va être encore nombreux, je pense, sur le forum à commenter le matin, parce que souvent les étapes ont lieu le matin avec le décalage horaire. J'en profite pour remercier Baldussieur qui s'est abonné avec Prime. Grand merci à toi, qu'on retrouve aussi Baldussieur sur le forum avec plaisir. On passe au gros morceau de la semaine à venir, Greg, parce que c'est le retour du World Tour, comme le Tour Down Under a été annulé et la Cadel Evans Race aussi. On a débuté le calendrier World Tour aujourd'hui, ce dimanche, avec l'UAE Tour. Et comme attendu, Greg, avant de passer à une petite projection, c'est un sprint qui a eu lieu pour la première étape, sprinter royal, hein, vu le nom des coureurs dans le top 10. Et c'est Jasper Philipsen qui s'est imposé dans un sprint un peu dégueu sur la fin, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Victoire de Jasper Philipsen, qui a quand même pas mal tassé Groenewegen dans les barrières, mais qui s'impose et qui n'a pas été déclassé. Bon, ça arrive, et voilà, enfin, ça s'est passé comme ça cette fois-ci. Bon, il a devancé Sam Bennett et Elia Viviani, Sam Bennett quand même après une saison 2021 où ça s'est mal terminé avec la De Koenig, qui revient enfin à la compétition et qui finalement est à un niveau assez correct au vu
au vu du temps sans compétition qu'il a pu avoir. Donc c'est encourageant pour lui aussi pour la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Cavendish, Greg? Parce que moi, à vrai dire, je me suis focalisé sur Groenewegen qui n'arrivait pas à passer Philipsen. Hein, ce n'était pas du tout objectif parce que je l'ai à Rivals. Alors, j'espérais absolument qu'il passe sur le côté. Mais je n'ai pas trop vu ce qui s'est passé avec Cavendish. J'ai vu qu'il avait terminé 16e, mais il a été bloqué, non, t'as vu ou... Alors, en fait, j'ai pas vu Cavendish, j'ai vu surtout, je regardais Démare essentiellement et je voyais qu'il n'arrivait pas tout à fait à se placer. J'ai lu sur le forum apparemment que Cavendish avait été tassé et que, en tout cas, qu'il n'arrivait pas non plus à être bien placé et bien emmené. Et c'est ce qui fait qu'il n'a pas vraiment participé au sprint. Alors, du coup, je l'ai pas forcément vu. De l'autre côté, je regardais Arnaud Démare et son train, et il y a eu un souci en fait dans le train avec un côté du train qui s'est retrouvé du côté gauche et l'autre avec Démare sur la droite de la route, dans la roue de Guarnieri notamment. Et Démare qui n'a pas réussi forcément à se placer comme il a souhaité et qui n'a pas vraiment réussi à sprinter complètement, on va dire. Pardon, j'avais désactivé mon micro. Il y aura une nouvelle chance demain pour les sprinteurs. Et cette fois-ci, je vais vous mettre le profil des étapes. Encore une fois, grâce à nos amis de First Cycling, que je remercie, hein, parce que leur site est vraiment une vraie mine d'or et c'est archi pratique pour streamer comme on le fait là pour nos émissions. Donc, Greg, je présente rapidement le parcours et puis je te laisse ensuite la main pour présenter les favoris. Donc, demain, normalement, une étape au sprint, encore une fois. Nouveau sprint à suivre. Les arrivées ont lieu entre midi et 14h en général, donc si vous voulez suivre, c'est sur le temps du midi. Mardi, on aura un chrono de 9 km, court chrono, hein, avec certainement un duel entre des garçons comme Ganna et Bisseger, mais pourquoi pas aussi Pogacar, parce qu'il a prouvé l'an dernier qu'il était costaud sur ce type de course. Rebel Race pour mercredi, la quatrième étape, arrivée au sommet. Ensuite, encore deux étapes au sprint normalement, et puis Rebel High Fête pour la dernière étape, Greg. Donc je te laisse la main sur les favoris et les perspectives pour cette semaine de course en World Tour. Alors, concernant les favoris, du coup, on va quand même assister, à mon avis, à pas mal de sprints massifs, puisque toutes les étapes en ligne, à l'exception des deux arrivées au sommet, ont la possibilité de se terminer par des sprints massifs. Alors après, je n'ai pas du tout d'informations qui concerneraient le vent éventuel ou la possibilité de bordure, mais clairement, ça va être, on va reprendre les coureurs qu'on a eus aujourd'hui et ça va être de nouveau des sprints entre eux, certainement. Je pense que certains battus d'aujourd'hui auront à cœur d'essayer de remporter une victoire avant la fin de la semaine. Alors après, bien sûr, il y a le court contre-la-montre de 9 km. Je n'ai pas vu le règlement, mais je ne serais pas étonné que ce contre-la-montre soit disputé sur des vélos traditionnels. Donc ça restera à voir. Je pense qu'on aura quand même pas mal de coureurs qui seront intéressés. Du coup, oui, effectivement, tu as parlé de Stéphane Bisseger. Je pense que c'est tout à fait le bon format pour lui, mais il sera confronté à Filippo Ganna qui est peut-être intraitable sur cette distance, même si on n'est pas tout à fait sûr à 100% de son état de forme de début de saison, même s'il est quand même très impressionnant. On pourra voir aussi son équipier Luke Plapp sur cette distance. Ça pourrait être aussi pas mal du tout. Peut-être Dumoulin, même s'il est moins tranchant maintenant sur les contre-la-montre, surtout court. Mais ouais, il y aura pas mal de coureurs intéressants et forcément, Tadej Pogacar voudra s'étalonner avant la première ascension difficile de Jebel Reis. Ouais, 2 sur 2 hein, d'ailleurs pour Ganna sur les chronos, parce qu'il s'était imposé à Bessèges et puis sur le Tour de la Provence. Donc on verra si mardi il réalise la passe de 3. Alors avant de te poser une question sur Pogacar, Greg, je voulais t'interroger sur cette UAE Tour de manière générale. Il est beaucoup décrié, hein, parce qu'on a raison aussi parfois, je trouve. C'est une course qui a été montée de toutes pièces, mais est-ce que tu trouves que finalement, et malgré l'absence de spectateurs et d'engouement populaire, elle a
vraiment désormais pris sa place dans le calendrier avec un court chrono, deux belles montées pour se tester et des arrivées massives qui conviennent parfaitement aux sprinteurs. Ben, je pense que oui. Après, on peut penser ce qu'on veut de la façon dont la course a été montée, de comment les équipes sont invitées, comment certains peuvent être conviés, comment on peut demander à certains coureurs de venir. Mais toujours est-il que ça attire du coup un beau plateau, que les sprinteurs ont vraiment un bon terrain de jeu, et on a deux arrivées au sommet où pas mal de leaders justement viennent se tester avec des températures très correctes pour la saison du coup. Et ça leur permet de s'affronter. Et on a pas mal de leaders justement. On a des Pogacar qui ont l'habitude de venir maintenant sur cette course. Pas mal d'autres coureurs. Il pourra justement vérifier les automatismes avec son nouvel équipier, Joao Almeida notamment. Et enfin, il y en a pas mal d'autres, Gino Mader justement, qui voudra certainement confirmer sa bonne Vuelta. On a Romain Bardet qui sera présent également, Jay Hindley qui voudra forcément aussi lui rattraper sa saison très, très décevante de l'an passé, mais qui a pourtant l'air de. Enfin, il a l'air d'être Ouais, il mieux était pas mal lundi de en Hindley. saison, ouais. Ouais, il était pas mal pour l'instant, donc il voudrait certainement confirmer ce bon début de saison. Adam Yates, qui est quand même souvent performant sur ces ascensions-là, justement. Et lui aussi, je pense qu'il a pour objectif de réaliser un bon résultat sur cette semaine. Et ouais, j'ai parlé de Romain Bardet. Oui, justement, ça va être une occasion pour lui de se tester par rapport à ses adversaires pour les prochaines échéances. Ouais, alors je prends les remarques sur le chat parce que je vois que Baldussure nous dit Bora, ouais, 4 sprinteurs, 0 victoire pour l'instant, enfin 0 victoire au sprint, hein, il veut nous dire. C'est vrai que les sprinteurs de la Bora sont pas trop à la fête. Intermarché a décidé de venir sans sprinteur et avec des mecs, avec des grimpeurs, bah ouais, et c'est pas bête parce qu'avec Grégory, vous savez, on a l'habitude de parler des points UCI et de la course au World Tour. C'est les 60 premiers coureurs qui marquent des points. Hein, lors d'une épreuve comme l'UAE Tour, donc bah, c'est forcément intéressant d'avoir deux ou trois mecs qui sont capables de signer un top 20. Et Ben nous dit, si tu as de la thune, personne n'y va, soyons sérieux. Bah, sincèrement, je ne sais pas, parce que certes, bien sûr, il y a cet aspect financier, mais comme l'a dit Grégory, il y a aussi un facteur météo. C'est quand même assez agréable d'aller rouler sur des températures de 20 ou 25 degrés à cette période de l'année. Quand on est rouleur, il y a un chrono pour se tester. Quand on est sprinter, c'est un petit peu le championnat du monde du sprint. Il y a aussi deux belles montées sèches où on ne prend pas de risque pour des mecs comme Pogacar ou Yates, parce que du coup, il n'y aura pas de course de mouvement. On sait tous comment ça va se passer. C'est juste un effort sur une montée où vraiment, à cette période de l'année, c'est intéressant. Donc, je ne suis pas forcément certain que ça soit complètement vrai, que ça soit encore vrai en tout cas. Enfin, bref. Pour revenir à nos moutons, Greg, la question à 100 000 euros, et je vous la pose aussi sur le chat, on verra vos avis. Est-ce que Tadej Pogacar peut être battu cette semaine? Il peut être battu. Maintenant, est-ce qu'il sera battu? Ça, c'est une autre question. Bah, ça dépendra de son niveau de forme exact. C'est vrai que apparemment, à l'entraînement, il a été pas mauvais du tout ces derniers temps, donc il sera très certainement dur à battre. Maintenant, est-ce qu'il a envie de remporter cette course par étape, ou pourquoi pas aller pour une fois aider un Joao Almeida pour qu'il y ait un retour et qu'il y ait pour que le Portugais lui rende service plus tard dans la saison. C'est aussi une question qu'on pourrait se poser, mais c'est clair que sur le papier, Pogacar devrait être quand même dur à battre. Après, un coureur comme Adam Yates, c'est souvent très fort ici, donc il pourrait y avoir quand même pas mal de bagarres entre les deux. Ouais, alors justement, je vais te demander ton prono, Greg, et je vais te donner le mien. Hein. Ça va te permettre de réfléchir. Donnez-nous le vôtre aussi sur le live. Hein. On va voir qui aura raison en fin de semaine. Nous, en général, on a tort. On le dit avant, comme ça, on se couvre pas de ridicule si jamais on se plante. C'est assez pratique. Bref, je vais donner Pogacar, forcément, devant Adam Yates, parce que Grégory l'a très bien dit. C'est un peu sa course. Et en troisième, je vois bien, pardon, une petite surprise, Gino Madère.
Et toi, Greg? Allez, voilà. Je vais prendre le risque de dire Adam Yates en première position qui battrait un Tadej Pogacar bon, mais pas forcément à bloc, qui n'aurait pas forcément plus envie que ça de remporter la course, malgré le fait que ce soit quand même à domicile, on va dire. Et troisième, allez, on va. Il y a quand même le contre-la-montre, j'ai un peu peur pour lui, mais je vais tenter une piécette sur Jay Hindley. Ouais, alors tiens, question subsidiaire, quel sprinter va remporter le plus d'étapes sur cette course? Il y aura normalement 4 arrivées au sprint, donc Philipsen en a une. Est-ce que tu penses que ce sera lui ou un autre? Bah, c'est vrai que Philipsen part avec un avantage d'entrée de jeu. Alors, sur ce qu'on a vu, Groenewegen a l'air pas mal du tout. Je le verrai, pourquoi pas inverser la tendance sur la d'ici la fin de la semaine. Après avoir le niveau éventuel de Cavendish, de Démare, de Sam Bennett aussi, qui n'est pas si loin que ça malgré le fait qu'il ne gagne pas. Mais ouais, pourquoi pas Groenewegen. Ouais, moi j'ai envie de dire Groenewegen, mais bon, c'est intéressé, hein, comme je vous l'ai dit, je l'ai à notre célèbre jeu Rivals Manager. Donc forcément, j'espère qu'il va gagner. J'espère aussi d'ailleurs qu'il y aura une victoire d'Arnaud Démare, parce qu'il sort d'une année compliquée. Donc s'imposer là. Pardon Greg, je t'ai coupé. Ouais, vas-y. Non, j'allais juste réagir. Je pense qu'il est pas trop mal cette semaine. Il faudra voir comment il sera emmené, s'il arrive à avoir un sprint où il est bien placé, justement au départ du sprint. Je pense que sa vitesse de pointe est pas trop mal cette semaine et qu'il a besoin aussi d'enchaîner un peu les kilomètres, de les accumuler pour être plus efficace. Peut-être justement sur les toutes dernières étapes, il a peut-être une chance justement de gagner. Ouais, puis vu le plateau, Greg, forcément, ça lui fera un bien fou en termes de confiance à Arnaud Démare. S'il gagne en tapant Bennett, Cavendish, Ackermann, etc., pour la confiance, c'est jackpot pour leur tour en Europe, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, il a besoin de ce type de victoire. C'est vrai que gagner pas mal d'étapes, voire même l'intégralité des étapes sur une course par étape en France, c'est bon pour une certaine confiance, c'est bon pour le sponsor, etc. Mais c'est clair que taper les meilleurs sprinteurs mondiaux, c'est, je pense que pour la confiance, il y a pas forcément mieux pour un coureur comme lui. Ah tiens, on n'a pas parlé de Romain Bardet. Merci Baldussure, parce que c'est vrai que c'est tellement dense là, cette émission ce soir. On a tellement de choses à dire que j'ai oublié Romain Bardet. Romain Bardet qui effectue sa reprise en effet. Et ouais, qu'est-ce qu'on peut attendre de Bardet cette semaine, Greg? Bon, il y a ce chrono qui va le désavantager, mais 9 km, c'est pas non plus rédhibitoire. Est-ce qu'il peut signer un top 5 ou mieux? Oui, sur 9 km, il va pas perdre forcément un temps fou. Et en plus, ce sera certainement un chrono disputé sur un vélo traditionnel. Ça devrait moins le pénaliser. Alors, je pense qu'il va très certainement essayer de suivre le plus longtemps possible sur les deux ascensions. Après, la deuxième montée, il me semble qu'elle est quand même moins difficile et un peu moins pentue. Il y a peut-être une chance d'une course de mouvement et d'essayer de partir un peu plus loin de l'arrivée. On va voir maintenant le personnel qu'il y aura pour rouler derrière une éventuelle offensive, mais clairement il peut se tester face aux meilleurs grimpeurs qui sont présents ici et essayer de suivre, ou si les jambes sont bonnes, essayer pourquoi pas d'aller les battre au sommet, que ce soit sur Jebel Reis ou sur Jebel, c'est Jebel Afet la deuxième, je ne sais même plus. Ou Jebel Reis, oh, je me rappelle, je confonds toujours les deux montées. Mais elles se ressemblent, donc bon, après, c'est pas très grave. Sur la dernière étape, oui. Ouais. C'est ça. Alors, on va pouvoir passer au rendez-vous de la semaine. Cette semaine, on a quelques trucs de prévu. On s'était dit avec Grégory qu'on referait un point sur la course au World Tour. Vous en avez l'habitude, en général, c'est entre 10h et 10h30, donc on vous retiendra informé. Mardi, comme toujours, à 18h30, il y a le quiz de Benjamin, mais c'est sur sa chaîne, hein, c'est pas sur la nôtre. La chaîne d'Acaillon, et on verra qui est là, mais moi vendredi je ferai bien une petite présentation du week-end d'ouverture en Belgique, parce que le week-end prochain c'est la reprise de la compétition en Belgique, et ça c'est plutôt cool, avec le Het Volk et Bruxelles-Kuurn. C'est un moment, Greg, qu'on attend vraiment tous, hein, sur cette reprise de la saison et des classiques, hein, en Europe.
Bah, tout à fait. Bah, pour certains suiveurs, c'est le vrai début de saison, on va dire. Donc, ce sont des courses qui sont attendues avec impatience. Et il y aura quand même pas mal de courses justement qui arrivent et qui seront très bien classées, que ce soit ce sera des courses World Tour, des courses pro, ça va apporter pas mal de points justement il y aura pas mal de points à distribuer aux coureurs qui feront des bons résultats, mais clairement ce sera le début de la campagne des Flandriennes. Ouais, parce que là, Greg, pour finir là-dessus, on arrive vraiment dans une période qui fait plaisir. Alors, on a senti que ce week-end, il y avait 5 courses, je crois, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Et là, on a l'UAE, on va rentrer avec le week-end d'ouverture. Derrière, on aura vite les Strade Bianche, Paris-Nice, Tirreno. Là, on sent qu'on arrive en plein dedans et ça fait du bien. On n'entend plus parler d'annulation de course à cause du Covid. Donc ça aussi, ça fait forcément plaisir. Et on va avoir un vrai beau début de saison, j'ai l'impression. Ouais, et en plus, toutes ces courses sont retransmises et on arrive à enchaîner pas mal C'est vrai qu'on est chanceux. d'heures de direct et parfois, même aujourd'hui par exemple, on a eu quand même pas mal de courses différentes diffusées et ouais, finalement on a l'embarras du choix parfois et on peut switcher d'une course à l'autre, voire regarder plusieurs courses en même temps ou alors, parfois, certaines fois, les courses s'enchaînent les unes après les autres dans la même journée. Mais clairement, pas d'annulation en ce moment. Pas trop de dégâts non plus au niveau des coureurs engagés. Donc, j'espère que ça durera de ce côté-là. En tout cas, c'est bon signe, en tout cas pour l'instant, pour la suite de saison. Ouais, carrément. Alors sur ces belles paroles, je vous propose de vous laisser. Je vous remercie encore de nous suivre. Vous avez été nombreux à justement nous donner un follow pour donner un petit anglicisme. Désolé pour ça. Et on a atteint notre objectif de 200 abonnés qu'on s'était donné, donc c'est plutôt cool. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions. Merci Greg et salut. Merci, salut tout le monde.